Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. Président Joe Biden est bien prêt à le préparer là pour le prendre exécutif et adresser problème. En fait, il va prendre exécutif order qui pour adresser problème qui lié avec cybersécurité. Nous rappelons ça qui est passé ça il y a quelques mois et lorsque la Russie était hack et plusieurs en fait des plusieurs ministères, plusieurs agences pas possible, mais plusieurs compagnies privées tout. Donc, qui, en fait, on a parlé de guerre, bataille, là, c'est là qu'on a commencé. Ok? Ça n'a pas les cyberhack là. Pas oublier, semaine dernière, nous avons parlé là, on n'entend pas, qui est gens qui ont hacker. De loin, on n'a pas compte si, jusqu'à présent, on n'a pas compte si son monétaire manquait tout le monde. Un système low, côté que l'augmente. Donc, et Biden qui parle pour un executive order pour l'adresser problème ça. Et le département de la justice annoncé, selon l'autre bord, là, on a parlé de concernant la Russie, et ça a eu les SolarWind. Mais département de la justice tout annoncé indictment contre des séries de hackers nord-coréens. Donc des séries de hackers nord-coréens, ils ont annoncé justement indictment de hackers qui sont nord-coréens. Entre-temps, ils font tout là, ils n'ont pas les de gampi l'expert, parce que c'est pas pour comprendre, ça pour comprendre. Cause cybersécurité, c'est une compagnie privée qui arrive à joindre que te gen hacking nan. Alors que gon bon koble tab depan son bon expert yo baka wè rien pour montrer au délicatesse qui gagne dans bay hacking nan. OK, ou vraiment besoin des experts là dedans. So entre-temps Silicon Valley nèg ki expert yo yo gen problème avec l'Australie. Australie nous connaît qui font changement là qui mande faut que ta paye et toute nouvelle sou plateforme yo. Facebook même fâché, Facebook dit lui-même désormais depuis c'est contenu qui a rapport avec news la bloqué. Il pas quitté aller en Australie. Bon Google bon côté parle tu rentre joindre un deal. So avec hello, avec Google t'a pas parlé pour sanction mais Google joindre un deal by ça. Et donc et président Biden je nous dit là et pressé si c'est pas jeudi et demain il va sortir executive order pour adresser justement trop vite ça qui gagne au niveau de Federal Cybersecurity. Après et massif son véritable massif hack qui te gagne dans gouvernement fédéral là et député national security directeur cyber security a il a annoncé que justement yo pral adresser bagage ça yo gagne à peu près nous rappeler 9 fédéral agency 100 privé secteur groupe qui te compromettre de hacking ça a que qui gen fameux non ça ka nou rele SolarWind breach. Donc yo pral et travail pour bloquer bagay ça et executive order ça k'ap vini là. Et maintenant il faut dire que Amazon bon côté pali et on a parlé de gros cyber gros compagnie ça. Amazon bon côté pal gen problème là. Et en New York, Laetitia a marché pour plusieurs là. Et non seulement Laetitia a bloqué NRA, NRA écrasé qu'on est là. Mais Laetitia a dit, Laetitia sous Amazon. Peut-être justement, il dit, lui et pas bas importance pour safety employé. Parce que yo apprend lorsque des employés a fait des critiques sur gens lieu de travail soit que peut-être yo pas prend caillou et mais ça Amazon fait il prend des mesures restrictives soit le révoquer donc il retalier contre employé qui t'a choisi ouvrir bouche pour parler de environnement sécuritaire côté il y a parlé donc yo accusé compagnie parce qu'il pas créé justement une règle plus raisonnable et pour capable protéger mon yo notamment et pour coronavirus là et donc et Yosu et Amazon pour ça et gagne un bataille là tout qui gagne entre Apple avec Epic en fait une bataille on Epic fight qui va gagner Epic Game là son Epic Game développeur ça qui est très populaire des ligues des anneaux les Fortnite on songe que tu drop yo sur plateforme là et donc Epic dit appel éliminer compétition dans distribution hein, par une série de bagages donc pour le bon bataille là
entre lui-même. Et nous connaissons tout. Une semaine ça game shop bagage ça te font bonne actualité monde qui t'a pas acheté game shop sans arrêter jusqu'à ce qu'il monte ya ce bail ça il te font bonne balle en pile donc yo pral et discuter yo pral gain pour entendre bail ça comprendre qu'un groupe technologie financial industrie exécutive et justement et leader compagnie ça yo pral gain pour entendre yo sous cause ça il faut adresser problème ça et maintenant l'homme que yo pral ap travaille pour passer législation tout cap créer ça n'ta relé et federal security standard pour tout véhicule autonome ba ça ap vini yo ça nous relé véhicule cap conduit pour conduire nous mettre tan yo 2021 yo di ap nan la ri et comment c'est quelque graine et on ik monter ou peser bouton et puis véhicule ap conduit donc yo pral commencer vini avec régulation donc l'homme que yo député sénateur comment ça traduit code de la route pour véhicule autonome. Donc c'est ça pour nous comprendre dans moment là et donc ça n'a pas là là et il demandé faut gain investigation et sénateur intelligence committee demande réponse bah qui se passe temps pas côté que il y a un hacker t'al d'air empoisonné tout un système et d'irrigation qui t'a permettre près de 15 000 monde et perdit et la vie yo. Et entre temps faut nous dire que sénateur Magui Hassan et cher sénateur Homeland Security gouvernement affaire li mette focus sur national security menace qui gagne à l'étranger comité ça li annoncé ça mercredi a et donc li parler de menace de l'international cybersécurité donc yo veut travailler pour ça en même temps tout gagner et dossier China on comprend gagne nouvel règlement pour blogueur au niveau de China et donc China lui-même qui a essayé contrôler information qui a passé et la caille et American Civil Liberty Union ça ne connaît à clou et d'autres civil rights organisation yo mandé président Biden pour le camper causer face facial recognition nous on t'a dit si nous te parler de bail ça son technique côté que pas gagne passeport qu'on a c'est visage pour le scanner bay ça yo yo dit gagne danger technologie ça poser pour plusieurs monde de manière disproportionnelle li impacter monde de couleur et d'autres monde qui marginalisé coalition de 40 organisations vont le tout ouvrir bay Biden côté yo mandé pour prendre executive order pour remplacer moratoire ça côté que pour ta camper l'utilisation de ça nous relé facial recognition technologie et qui pour empêcher Stetio et local gouvernement pour utiliser fonds pour acheter technologie ça yo. Et donc voilà guys, des trois updates que nous t'ai porté pour vous et toujours été connecté avec nous. Dernière information, nous toujours partager au bois ici là. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.